Bonjour à tous, on est devant l'église de Saint-Ondrac et le défi que je vous propose aujourd'hui, c'est de fabriquer en impression 3D ce monument. Alors, on va passer par une première étape qui est de la photogrammétrie et ensuite de l'impression 3D. Donc, photogrammétrie et impression 3D, ce sont deux technologies qui se marient très bien puisque grâce à l'impression 3D, on va pouvoir fabriquer réellement le modèle 3D qui aura été généré grâce à la technique de photogrammétrie. Les étapes vont être les suivantes. Tout d'abord, on va planifier des missions de mapping pour faire les bonnes photos de l'église en utilisant DJI-GS Pro. À partir de cette série de photos, on va aller dans Agisoft Photoscan. Donc moi, je dispose de la version standard et on va créer le modèle 3D de cette église. Et à partir de là, on va pouvoir exporter depuis Agisoft Photoscan un point objet qu'on va injecter dans un logiciel de CFAO pour imprimante 3D. Donc moi personnellement j'utilise Idea Maker et puis derrière on va pouvoir lancer l'impression 3D de cette église. Alors à la fin il restera une étape de mise en peinture, donc là il faudra utiliser ses mains et un peu de patience pour donner un aspect ressemblant à cette église. Dans une opération similaire, veillez bien à sélectionner un édifice qui est isolé de toute habitation, qui n'est pas en plein centre-ville, sachant que c'est pas parce qu'on fait de la photogrammétrie qu'on ne doit pas respecter la réglementation drone. Donc là ici, la chance qu'on a, c'est que cette église, elle est au milieu de rien. Donc là, on peut tranquillement faire évoluer un drone autour. On veille quand même à ce qu'il n'y ait personne qui vienne se promener dans les parages. Et puis, bien sûr, on ne fait pas ça pendant une messe, bien évidemment. Au niveau des photos à faire sur un tel bâtiment, qui est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs volumes, on va d'abord faire un jeu de photos circulaire autour du clocher sur plusieurs niveaux. Ensuite, on va faire un mapping plan au-dessus de la toiture. Et enfin, on va faire des photos sur la périphérie du bâtiment sur deux niveaux. Donc l'idéal quand on fait ce type de captation, c'est d'avoir une journée nuageuse, comme ça on a une lumière bien homogène partout sur l'ensemble des façades et ça évite d'avoir des contrastes trop marqués avec des façades surexposées et des façades qui seraient dans le noir. Donc ça permet de faciliter le traitement photogrammétrique ensuite. Voilà, donc on a fait toutes les photos, donc maintenant on rentre à la maison, on télécharge tout ça sur l'ordinateur et on va les traiter dans Agisoft Photoscan. On va faire l'alignement des photos dans un premier temps, ensuite on va créer le nuage de points denses, puis le maillage et enfin on pourra exporter le modèle 3D sous forme de points objet dans Idea Maker qui est un logiciel de CFAO pour imprimante 3D. Donc c'est parti, on va dans Photoscan. Thank you.
Maintenant qu'on a créé notre modèle 3D, on va exporter ce modèle en point .obj. C'est un format qui va pouvoir être traité par les logiciels de CFAO pour la fabrication additive. Alors ce qui va être pratique avec ce type d'édifice, c'est qu'on n'aura certainement pas besoin de support au niveau de l'impression 3D, puisqu'on n'a pas de forme en dévers. Donc maintenant, on va dans Idea Maker et on va préparer la fabrication de cet édifice. Voilà, donc maintenant on est prêt à lancer l'impression. On télécharge tout ça dans l'imprimante 3D et on se retrouve dans quelques heures avec le résultat. Thank you.
Voilà, donc on a fini de construire cet édifice. Donc c'est intéressant car on pourrait le fabriquer à différentes échelles assez facilement dans les limites de notre imprimante 3D. Donc la conclusion, c'est que l'impression 3D, c'est un bon complément à la photogrammétrie puisque on va pouvoir réaliser concrètement les modèles 3D qu'on a créés grâce au process de photogrammétrie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous donnera des idées pour fabriquer vous-même des modèles réduits de vos captations photogrammétriques. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone. Merci.